Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast « Naître princesse, devenir guerrière ». Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Bienvenue dans le mini-podcast du dimanche pour vous annoncer l'épisode de la semaine. Alors, je suis littéralement dans un placard ici pour enregistrer ce petit teasing parce que la soufflerie de l'appart dans lequel je suis ici à Houston, au Texas, fait plein de bruit. Alors, c'est très berçant pour la nuit, mais un peu moins pour les enregistrements. J'attaque ma deuxième semaine d'évasion. Donc, j'ai quitté la Floride hier pour me rendre à Houston pendant 2 semaines. Plein de retrouvailles sont prévues au programme. Quand on vit à l'étranger, les amis sont vraiment comme la famille et c'est fou de voir comme on reprend de manière instantanée les conversations là où on les avait laissées parfois 4 ans auparavant, parfois 2, parfois même plus. Et c'est clair que c'est pas aussi idyllique que la Floride, mais je retrouve beaucoup d'amis avec qui j'ai passé 11 ans ici. Je vais aller visiter mon école d'art, je retrouve ma prof d'art, voilà des personnes à qui j'ai donné des cours de français, des personnes que j'ai rencontrées au tout début. Donc voilà, c'est vraiment très très amusant et une chouette coupure pour moi. Enfin, une coupure, là il est temps de reprendre le travail après 5 jours de totale coupure, enfin presque totale, en Floride. Et là, les emails s'accumulent dans ma boîte mail et j'aime bien être à jour. Et puis ça me fait vraiment plaisir en plus de reprendre et de travailler sur les prochaines trames de podcast. Mercredi, nous aurons la chance d'écouter le témoignage de Chloé. Alors waouh, un épisode plein de vie, de rire, de peps. Mais tant d'épreuves aussi. La vie n'a pas épargné notre Chloé. Un papa pervers narcissique qui a réussi à lui faire croire qu'elle n'était pas digne d'amour, qu'elle était nulle. Elle a eu un papa qui lui a fait perdre sa joie de vivre, qu'elle a enfin retrouvée. Et puis il y a eu tant de schémas pathologiques en fait qui se sont reproduits et il était vraiment temps que ça cesse. Le cancer est une épreuve que personne ne devrait vivre et qu'on ne souhaite à personne, mais il est venu sauver Chloé qui allait vraiment droit dans le mur. J'aurais pu appeler cet épisode renouveau, renaissance ou même changement au pluriel. Chloé a changé de centre hospitalier après une annonce du cancer, mais épouvantable. Ça, je vous l'entendrai dans l'épisode. Ça fait 4 ans que je suis super engagée, mais là, j'avoue que j'avais jamais entendu un truc pareil. Heureusement, l'humour est vite venu la sauver. C'est son arme fatale. Chloé a changé de métier, de maison et de ville, et aussi d'hormonaux. Et on a un message vachement important à ce sujet. C'est un de ces épisodes où j'ai l'impression qu'il y a plein d'épisodes dans l'épisode, tant il est dense et que les sujets abordés sont multiples. Je me réjouis de vous retrouver mercredi sur toutes les plateformes d'écoute et je vous envoie des bisous au ketchup du Texas. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.